Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du CAREP pour lequel on a le plaisir d'accueillir Sharon Veil, qui est maîtresse de conférence en droit international à l'Université américaine de Paris et chercheuse associée au Centre d'études et de relations internationales à Sciences Po. Et Sharon a notamment réalisé une ethnographie des procès des filières djihadistes à la Cour d'assises de Paris. Et elle s'intéresse particulièrement à la transformation des systèmes juridiques face au djihadisme international. Alors donc, elle a réalisé pour la mission de recherche Droit et Justice, qui est un groupement d'intérêt public qui a été créé conjointement par le ministère de la Justice et le CNRS, une ethnographie de la Cour d'assises spécialement composée, constituée, pour juger les affaires du terrorisme entre 2017 et 2020. Et donc, elle s'est intéressée à ce titre aux audiences à la fois criminelles et correctionnelles, qui ont eu lieu dans ce cadre entre 2017 et 2020. Alors, on reviendra sur le choix et les mérites de cette approche ethnographique qui a permis à cette équipe d'associer des juristes, une anthropologue et un politiste. Pour commencer, je rappellerai tout simplement en guise d'introduction qu'aujourd'hui, le contentieux terroriste est devenu vraiment un contentieux de masse en France, puisque le nombre des procès de personnes qui sont jugées dans ce cadre n'a cessé d'augmenter après les procès Mera et Ben Daoud, et notamment depuis 2015. Et aujourd'hui, c'est un contentieux qui concerne non seulement les responsables d'attentats qui sont effectués sur le sol français, mais aussi, et c'est le plus grand nombre d'audiences, des personnes qui sont accusées, qui sont parties et revenues de Syrie ou d'Irak, ou qui ont essayé d'y aller sans forcément y parvenir, et des personnes qui sont soupçonnées d'être impliquées dans la préparation d'attentats et qui sont aujourd'hui jugées avant même un passage à l'acte présumé. Alors, face à la multiplication des retours de personnes sur zone irako-syrienne, face à la multiplication des tentatives de départ vers la Syrie, face à cette série d'attentats qui a touché la France, le parquet de Paris a fait face à une augmentation sans précédent des procès. Pour faire face à ampleur des procédures contre terroristes, il a fait à plusieurs reprises évoluer sa politique pénale, au point que on peut considérer aujourd'hui, comme c'est le cas de Sharon qui va nous l'expliquer tout à l'heure, qu'on est face à un bouleversement du droit pénal français, notamment par rapport aux peines qui étaient prononcées dans les années 2000. Alors, que montre cette évolution de l'arsenal judiciaire français depuis 2015? Que nous dit-il finalement de la façon dont la justice de notre pays s'est emparée de ces dossiers? Sharon, je te donne la parole et je te laisse faire ta présentation. On ouvrira les questions à la fin, comme d'habitude. Au public, vous pouvez d'ores et déjà envoyer, écrire, rédiger vos questions écrites dans la rubrique Q et R en bas de l'écran ou bien sur Facebook, et on prendra toutes les questions à la fin de l'intervention de Sharon. Bon, bonsoir et merci Claire pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir de partager avec vous cette recherche. Voilà, déjà parce que c'était une recherche très très intéressante, et d'ailleurs c'est une recherche qu'on continue encore, hein. C'est vrai que le rapport a été publié, on a fini une partie, mais on continue comme les procès continuent. Alors voilà, je vais vous donner un petit aperçu de cette ethnographie-là. Et effectivement, comme tu disais Claire, alors
On peut un peu partager peut-être en trois grands volumes, on va dire, ces procès-là. Alors, il y a eu le début des procès, que c'était à partir de 2015, et ça sera plutôt au tribunal correctionnel. Là, on aurait vraiment beaucoup, beaucoup de procès de tous les revenants de, on va dire, la première vague, hein, c'est avant les attentats de Charlie Hebdo. Ces procès-là sont en correctionnel, on en a 200, 300, énormément, hein, c'est vraiment une masse de procès. Puis, on aura un changement de politique pénale que je vais bien expliquer dans un instant. On va passer ces procès-là des revenants à la cour d'assises, et c'est là d'ailleurs qu'on va commencer notre ethnographie. Notre idée était de commencer faire l'ethnographie à la cour d'assises, et nous, on a observé les premiers procès de 2007 à 2020 qui sont passés en fait du correctionnel aux assises, quand il s'agit justement des revenants, des gens qui sont partis en Syrie et qui reviennent. Alors là, on a ces deux types de procès, que c'est un peu les mêmes profils, mais au départ ils étaient au correctionnel, après ils sont passés en assises. Et le troisième type de procès, c'est les procès où il y avait vraiment des victimes, où il y avait des attentats, où il y a eu des meurtres, etc. Comme le procès Merah, comme évidemment Charlie Hebdo, etc. Alors ça, c'est... Non, on va dire comme Merah, Cantorsi, ça sera ces procès-là où on a eu des victimes. Et après, il y a les grands, grands procès, qu'il s'agit de Charlie Hebdo, voilà, le Bataclan, Nice, etc. Et là, on vient d'avoir Charlie Hebdo. Alors, vous voyez, il y a un peu ce panorama-là de procès. Ils ne sont pas tous pareils. Chacun a un peu ses spécificités. Alors, moi, je vais plutôt me concentrer sur les procès de revenants à la cour d'assises entre 2017 et 2020. Voilà, alors je vais partager mon écran. Je vais vous montrer quelques images. Bon, vous me dites si ça marche bien. Alors, on m'a dit de faire comme ça, lecture. Voilà. Claire, tu peux me confirmer que c'est tout bon? Ouais, non, je ne t'entends pas. Tu peux me Oui, faire. c'est Oui, parfait. d'accord. C'est très bien, on voit très bien. C'est parfait. Ok, parfait. Voilà. Alors voilà notre étude. Alors, comme Claire l'a mentionné, en fait, on était un groupe de chercheurs. Alors, on a fait la recherche avec Christiane Besnier, qui est un ethnologue, avec Denis Salas, qui est un magistrat, et Antoine Mégy, qui est un politiste. Et Antoine Mégy, lui, avait déjà suivi les procès avant à la cour d'assises, à la cour au correctionnel depuis 2015. Moi, j'avais suivi des procès dans d'autres pays, notamment en Israël, Palestine et à Guantanamo. Alors bon, c'est des cas très, très extrêmes et très différents, mais c'est quand même des procès de terrorisme. Et Christiane avait aussi suivi des procès pénal normal, en fait, on va dire. Voilà, alors chacun avait sa propre expérience. On s'est retrouvés en groupe et c'est vrai que c'était une expérience assez particulière de faire cette recherche en groupe parce que on venait ensemble au tribunal, on était assis là à côté des, comme vous voyez les gens ici qui observent. Alors on était là tous les jours des procès et évidemment finalement nous-mêmes on devient un peu visible et acteur comme des fois des accusés demandaient qui on est, les juges nous connaissaient, c'est-à-dire à force de faire une ethnographie, ça il faut le savoir, c'est vrai que le chercheur devient lui-même un acteur et peut-être sa présence peut même influencer d'une certaine manière, pas quand c'est des procès énormes comme ça avec beaucoup de public, mais quand on est les seuls dans la salle, il y a une certaine influence. Voilà. Alors, bon, c'était une grande recherche et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette recherche, comme vous pouvez imaginer. Alors moi, et aussi chacun de nous comme chercheurs s'intéressait à différents aspects. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu le côté transnational de cette jurisprudence. C'est-à-dire, on est dans des procès
très locale, très à Paris, dans des fois des très petites salles, des fois des grandes salles, ça dépend, des fois très médiatiques, des fois pas du tout, des fois on est les seuls à y être, avec voilà, des juges qui ont vraiment leur routine de jugement, c'est des juges professionnels. Et tout d'un coup, dans ces salles d'audience où on a des juges qui ont l'habitude de juger comme dans n'importe quel procès d'assises, tout d'un coup, ils se retrouvent vraiment dans des conflits internationaux, dans des questions de géopolitique très, très, voilà, très, très importantes. Alors moi, ça, c'est ça un peu qui m'intéressait, ce lien-là entre l'exception de la situation et la routine, on va dire, de leur travail, de ce travail-là. Comment une situation d'exception finalement devienne très banale et très routine par la profession, par le travail. Ça, c'est d'une partie, par un travail très, très local, mais avec un volet transnational, parce qu'on va regarder ce qui se passe en France, il y aura des procès qui sont très, très suivis, et bien sûr, il s'agit d'une guerre qui est en Syrie, alors il y a un écho avec ce qui se passe là-bas. Voilà, alors ça, c'est un peu mes questions à moi qui m'intéressaient. Alors, comme j'ai dit, notre méthode, c'était vraiment l'ethnographie des procès. Alors, c'était d'être présent pendant les procès, c'est avoir ces discussions-là dans les pauses. On va chercher un café, on rencontre le père de l'accusé, on rencontre l'avocat de défense. C'est là qu'on parle avec les gens, c'est-à-dire l'ethnographie des procès. Ce n'est pas seulement une observation type ONG, on est là, on regarde, vous voyez. C'est vraiment ces moments-là, durant la longueur du temps, en fait, on recolle des données, on parle, on écoute, on observe. Et c'est ce travail-là qui amène aux chercheurs des données que finalement on ne trouvera pas ailleurs. Voilà. Et puis, au-delà de ça, on a fait évidemment des entretiens à tous les acteurs. Voilà. Alors, comme axe de recherche, alors moi, je regarde la doctrine juridique, c'est-à-dire comment le droit évolue et pourquoi, c'est-à-dire quelle interprétation on va donner. Et évidemment, chaque interprétation a derrière elle un intérêt politique, etc. Mais alors, c'est comprendre ça à travers les discours juridiques. Ça sera regardé à la sociologie des acteurs. Ça, on pourra peut-être revenir à travers vos questions. Je n'aurai pas trop le temps de parler de ça, mais évidemment, c'est très intéressant de comprendre les différents acteurs qu'on a sur la scène juridique et qu'est-ce que chacun fait, et les interactions entre eux, la routine et bureaucratie, j'en ai déjà parlé, et l'interaction de leur politique. Voilà, ça, c'est en général le cadre de la recherche. Bon, je vais vous donner un petit aperçu, hein, on ne pourra pas tout faire. Alors, attendez, oula, là, j'essaie de changer de... Voilà, c'est là. Voilà, alors, on commence la recherche, on rentre dans la salle d'audience. Voilà la salle d'audience de la cour d'assises à Paris. Voilà, il faut savoir que tous les procès terroristes sont tous centralisés à Paris. Alors, pour les chercheurs, en fait, c'est très, très agréable parce que, voilà, c'est à côté de la maison. On a notre terrain, pas besoin de voyager dans toute la France. Tous les procès sont là, voilà. Alors, quand on arrive à la cour d'assises spécialement composée, on est normalement au palais de justice et c'est là ce que vous voyez. Alors, juste pour vous faire un aperçu de la salle d'audience, de la scène judiciaire, on va appeler ça, que c'est notre terrain d'observation. Alors ici, vous aurez les accusés qui sont dans le box. C'est comme ça qu'on appelle cet endroit où on amène les détenus, c'est-à-dire ce sont les accusés qui sont en détention provisoire. Maintenant, il faut savoir que dans les procès de terrorisme, on a une procédure plus longue de détention provisoire. Ça, c'est toute la législation qui est un peu exceptionnelle dans ce sens-là, que la législation terroriste, elle est particulière aussi dans le sens de détention et en fait de tout ce qui vient avant qu'on arrive à la salle d'audience. Alors, quand on est en assise, on va voir des gens, des fois, qui sont déjà 5 ans en détention provisoire, que c'est énorme. On peut arriver presque jusqu'à 5 ans, c'est-à-dire il y a 3 ans et 8 mois
Et puis après, on peut avoir une prolongation encore de encore une prolongation. On peut arriver à quasi 5 ans, voilà, avant le procès. Après, ce n'est pas tous, mais on va dire que la plupart des... C'est-à-dire que quand nous, on a fait la recherche en 2017, alors on a eu des faits qui dataient de 2013, vous voyez. On avait l'affaire Mera, par exemple, plus tard, voilà. Alors, c'est vrai que les temps sont vraiment très, très longs, des fois. Pareil là, si vous pensez au Charlie Hebdo, qui était là récemment en décembre, et les faits étaient en janvier 2015. Voilà. Alors, il y a une période de détention provisoire qui est très longue. Bon, bref. Alors là, on amène les détenus. Mais des fois, il y aura des détenus qui ne sont pas en détention. Et alors, ils seront assis là. Et ils vont venir avec nous le matin. On va passer la même sécurité, en fait. Hein. Voilà. Là, on a le président qui sera assis au milieu. C'est un président de la cour d'assises. Et normalement, vous savez qu'en assises, il y a des jurés populaires, mais pas en terrorisme. Alors, en terrorisme, on n'a plus de jurés depuis les années 80. Et au lieu de ça, on a des magistrats professionnels, des assesseurs. Alors, on aura un président et on aura avec lui deux de chaque côté, quatre assesseurs. Et on appelle, ils seront en total sept. Alors, ces magistrats-là, les assesseurs, quand nous, on est observé, parce que ça a changé depuis, quand nous, on observait, c'était des magistrats, ils pouvaient être n'importe quel magistrat, et c'était à la base du volontariat, c'est-à-dire, ça peut être un juge de famille, un juge de... Voilà, rien à voir avec le terrorisme. Et en fait, c'était très intéressant, parce que cette première phase-là des procès terrorisme de la cour d'assises que nous avons observé était vraiment... devant des juges qui n'étaient pas du tout professionnels de terrorisme. Ce qui a changé, je vais y revenir, et c'était très intéressant parce que si on pense à toute la chaîne pénale depuis l'arrestation, c'est-à-dire là, si je reviens au titre, hiérarchie, centralisation et spécialisation. Alors, c'est-à-dire si on pense l'arrestation, le parquet, les juges d'instruction, tous centralisés à Paris, tous spécialisés, hein, le parquet antiterroriste, les juges d'instruction antiterroristes, c'est tous des gens très spécialisés dans la matière, et c'est ce qu'ils font depuis des années. Alors, on a toute cette chaîne-là qui est très spécialisée. Quand on envoie les dossiers au correctionnel, c'est quand c'est moins de 10 ans, ils encourent une peine de moins de 10 ans. Quand on les envoie au correctionnel, finalement, les juges deviennent comment dire, spécialisés parce que c'est une chambre, c'est la 16e chambre, et ils vont voir tous les jours des procès terro, une chambre spécialisée. Alors, à force des choses, ils deviennent spécialistes. Et là, quand on arrive à la cour d'assises, c'est vraiment le seul espace dans toute la chaîne pénale qui n'est pas spécialisé. Et ça, c'était pour nous, voilà, c'était une grande... C'était surprenant, c'était rafraîchissant dans ce sens-là. Et c'est vrai que, je vais y revenir, mais on a pu voir finalement des juges avec une approche plutôt pénaliste pure, on va dire, et pas nécessairement avec une approche sécuritaire. Hein. Et ça, c'est aussi lié à qui était le juge à ce moment-là. Maintenant, il faut dire que ça a changé. Alors, après 2 ans, je pense que ça a changé en 2019. Alors, maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un pôle de magistrats assesseurs. C'est pareil, c'est basé sur le volontariat, mais du coup, on a ramené des juges de la 16e dans ce pôle-là. Alors maintenant, par exemple, il y a deux juges femmes qu'on va voir presque dans toutes les formations de jugement. Et eux, avant, ils étaient au tribunal correctionnel. Alors, c'est-à-dire que maintenant, le groupe des juges qui vont siéger dans ces genres de procès, finalement, ils deviennent beaucoup plus spécialisés. Voilà, on pourra y revenir sur la question est-ce que c'est bien ou pas bien d'être devant une chambre spécialisée. Voilà, c'est vraiment des grands débats. Voilà, on peut y revenir si ça vous intéresse plus tard.
Alors, on a les juges, alors on a dit ici, et vous voyez, derrière, il y a les tomes, c'est-à-dire les dossiers, des fois, c'est des dossiers énormes. Hein. Alors, aussi, ce qui a changé, c'est qu'au début, les juges, ils avaient accès au dossier, seulement le président avait accès au dossier, et tous les autres juges, comme nous, le public, découvraient le procès avec l'oralité des débats, parce que, bon, on va y revenir, un des principes caractères de la cour d'assises, c'est l'oralité des débats, c'est-à-dire que tout doit se dire dans la salle. Mais ça a changé parce que c'était un peu trop dur, c'était des dossiers très complexes. Alors maintenant, les assesseurs, ils ont aussi accès aux dossiers. Alors, en face des accusés, on aura le procureur qui sera là. Et s'il y a des victimes, on aura les avocats de victimes qui seront en face des accusés. Voilà, c'est plus ou moins la salle d'audience qui est comme ça. Alors, comme j'ai dit, quand il s'agit des affaires qui en courent plus de 10 ans, soit des affaires, évidemment, quand il y a eu des crimes, comme l'affaire Mera, comme Charlie Hebdo, c'est évident, ces affaires-là, de toute manière, vont dans la cour d'assises. Mais sinon, avant, voilà, ils étaient à la 16e chambre. Alors, là, c'est-à-dire les revenants avant étaient à la 16e chambre, c'est moins de 10 ans. Alors, on est entre ces deux salles. Hein. Alors, bon, c'est aussi un peu l'aspect d'architecture. Alors, vous voyez, ça, c'est le nouveau tribunal. Le nouveau tribunal à la porte de Clichy, Batignolles. Alors, vous voyez, c'est vraiment une architecture très différente, mais encore une fois, c'est exactement la même chose. Vous avez le box, etc. Pareil. Très, très lumineux. Voilà. Alors, bon, c'est intéressant un peu de voir les images des deux palais. Alors, la cour d'assises qui reste dans l'ancien palais et le correctionnel qui déménage ici, parce qu'avant, la 16e chambre était là aussi, mais ils ont déménagé là. Et je me souviens quand j'avais parlé avec un juge d'instruction, il me disait qu'il a l'impression de travailler à Zara. Voilà, c'était son impression de cet endroit-là. Mais bon, finalement, c'est un tribunal qui est très agréable aussi. Hein. Voilà, et le procès Charlie Hebdo était ici, hein, dans le nouveau tribunal. Voilà, alors, voilà, juste pour vous dire alors on a eu les procès. Alors, les premiers procès étaient, quand on n'a pas de victimes, étaient au correctionnel. Alors, pourquoi on est arrivé à la cour d'assises? Alors là, on va voir, ce qui a tout changé, c'est une nouvelle politique pénale qui était introduite en 2016. Et bon, c'était suite aux attentats qu'on avait, Charlie Hebdo et Bataclan. Mais avant que qu'on revienne sur la question de la politique pénale, alors on va parler du chef d'inculpation principal, celui-là qu'on va voir dans presque tous les procès, sauf où il y a vraiment des meurtres, où il y a vraiment des gens où il y a des victimes. Mais encore une fois, quand on parle des revenants qui sont partis en Syrie, ils ont joint un groupe, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, ils sont revenus, ils seront tous inculpés d'associations de malfaiteurs terroristes. Alors, ce qu'on appelle une AMT, c'est une législation qui date de 1996. C'est-à-dire une association de malfaiteurs, on l'avait toujours, mais on a, en 1996, on a légiféré spécifique en relation avec une entreprise terroriste. Alors, j'aimerais juste revenir sur les trois points de chef d'inculpation pour bien comprendre quelle est l'accusation, quel est l'acte. Et après, ça va aider pour comprendre la politique pénale. Alors, il nous faut en fait trois choses pour prouver une AMT. Alors, il faut l'existence d'un groupement ayant un but terroriste. C'est-à-dire, c'est obligatoire. Il faut avoir un groupe. Alors, le groupement, ça peut être deux personnes, ça peut être 100 personnes. Voilà, c'est un groupe, un groupement. Ben, hein, c'est pas nécessairement un groupe militaire, c'est un groupement. Qu'ils ont un but terroriste. Alors, dans la jurisprudence de la 16e, c'était très intéressant parce qu'on a une décision très, très importante, mais très longue, on va dire, de plusieurs fois. Est-ce que le groupe Harar al-Shams, est-ce qu'il était… Alors,
la Cour a reconnu que c'était un groupe djihadiste, mais il se demandait est-ce qu'il est aussi un groupe terroriste. Et c'est vraiment des décisions très, très intéressantes parce qu'on a des juges qui nous font vraiment des lectures de géopolitique en expliquant pourquoi le groupe Ar-Al-Hisham est djihadiste, mais pas terroriste. Alors, une fois qu'ils ont établi qu'Ar-Al-Hisham n'est pas un groupe terroriste, ils étaient obligés d'acquitter la personne de l'AMT, parce que si on n'a pas un groupement terroriste, on ne peut pas avoir les chefs d'inculpation. Alors, voilà, ça, c'était un exemple intéressant autour de ce premier critère. Le deuxième critère qu'il nous faut, c'est un acte individuel de participation au groupement. C'est-à-dire que moi, comme personne, alors, on a un groupe avec un but terroriste, il faut l'individu, par exemple moi, que je rejoins ce groupe, je participe à ce groupe. Alors, mais par contre, je ne dois pas nécessairement contribuer à l'acte terrorisme en soi, en direct, hein. Ça peut être aussi indirectement, mais je dois participer au groupement. Et il faut que j'ai une intention de ça, c'est-à-dire c'est que quand je le fais, il faut bien prouver que je savais ou que j'étais consciente et je voulais participer à ce groupement et j'étais consciente de son projet terroriste. Voilà, ça c'est très important. Et c'est... Oula, pardon, là j'ai sauté. Et ce troisième critère, on va dire, qui était vraiment au centre, par exemple, de l'affaire Merah, pas de principal accusé, mais de la personne qui a fourni les armes, parce que lui, il disait, écoutez, il m'a dit qu'il voulait faire... voilà, moi, je le connaissais comme un criminel de droit commun, aucune idée qu'il va faire un attentat ou aucune idée qu'il va faire des crimes djihadistes de cet ordre-là. Alors, et effectivement, en appel, on a reconnu... Alors, il était encore accusé d'une AMT, évidemment, parce que, bon, il a quand même fourni des armes, mais c'était... Et d'une association de malfaiteurs. Mais ce n'était pas une association de malfaiteurs terroristes. Voilà, et c'est très important, hein, parce que, voilà, après, on n'est pas dans tous les fichiers terro, etc. C'est quand même important si on est reconnu coupable d'une infraction terroriste ou non. Voilà, et d'ailleurs, à Charlie Hebdo aussi, ça c'était la moitié des accusés finalement n'ont pas été reconnus de l'AMT terroriste et beaucoup aussi à cause de l'intention parce qu'on n'a pas pu démontrer qu'ils savaient que les gens ou les armes sont arrivées ou les voitures, etc., avaient des intentions de cet ordre-là. Voilà, alors juste pour finir, ça, c'est de redire qu'il n'est pas nécessaire que la personne contribue à l'acte terroriste en soi, et même on n'a pas besoin que l'acte en soi soit commis, hein. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'une infraction préventive. On peut déjà arrêter les gens en amont, avant même qu'un acte soit commis. Et c'est ça qu'on appelle le tournant préventif. Alors, je vais juste vous lire, par exemple, Camille Entier, qu'elle était la vice-procureure antiterroriste, qu'elle disait, voilà, l'évolution de la menace en France, les attentats, la multiplication de passages à l'acte par des individus sur le territoire national conduit à la volonté de judiciariser de plus en plus en amont de neutraliser les individus jugés potentiellement dangereux par pression du risque zéro. Voilà, alors là, c'est vraiment la politique pénale affichée. On va utiliser cette infraction-là voilà, pour prévenir des actes. Et ce qui est très important, c'est que tous les gens qui vont revenir de la Syrie, ils ne seront pas du tout inculpés pour des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. On ne va même pas aller chercher voir ce qu'ils ont fait. En fait, pour nous, ça va suffire qu'ils sont allés, ils ont rejoint un groupe et c'est tout. Et à partir de là, on a ce qu'il faut pour les juger. Maintenant, les peines. Alors, comme je vous ai dit, elle est pas nouvelle, cette infraction, hein, elle date de 96, mais ce qui est nouveau, c'est quand même les taux de peine. Alors, d'une manière traditionnelle, l'AMT, à cause de son caractère très, très large, elle était toujours poursuivie comme un délit, c'est-à-dire jusqu'à 10 ans,
en correctionnel. Et c'était exactement ça, c'est exactement la raison pourquoi on avait tous ces procès à la cour, à la 16e cour. Voilà, une AMT, c'est normal, 10 ans, jusqu'à 10 ans. Alors, on avait là des profils très, très différents. Et c'était ça un peu que finalement le procureur disait, bon, c'est pas possible de juger tous ces profils si différents sur un éventail de 10 ans. Parce qu'on aura des gens qui ont peut-être juste aidé à des gens à partir d'ici. Alors, eux, ils seront accusés, ils vont avoir des peines entre 2 et 4 ans. Il y a des gens qui voulaient partir, ils sont partis et revenus. Et il y a des gens qui ont vraiment été là et qui ont pris des armes, etc. Et eux, ils auront 10 ans. Mais pour le procureur, ce n'était pas assez l'éventail des peines. Leur position était que c'est trop restreint, et surtout après les attentats, et surtout à cause de ce phénomène énorme des gens qui partent et qui reviennent. Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes, et il fallait une répression plus importante. Voilà. Alors, la nouvelle politique pénale qui est donc introduite en 2016, en avril 2016, elle est officiellement prononcée et elle est la suivante. Elle dit que toute personne qui est partie en Syrie ou en Irak hein, d'ailleurs, en zone, après les attentats de Charlie Hebdo, alors le fait de partir et de rejoindre des groupes comme l'État islamique, Jabhat Nusra, etc., ils ne pouvaient pas ne pas savoir que ces groupes-là avaient comme but à commettre des crimes. Et pour cela, il ne s'agit pas d'une AMT au niveau de délit, mais une AMT criminelle. C'est-à-dire qu'on peut être jugé à l'assise et à des peines de 20 ans, ou bien de 30 ans, ou bien de perpétuité. Ça dépend, parce que la législation a tout le temps augmenté les peines. Après 2016, on arrive, si les actes sont commis après 2016, on arrive à des peines de perpétuité pour les dirigeants et pour les simples participants, 20 ou 30 ans. Vous voyez, c'est des peines énormes. Alors, d'une certaine manière, on n'a pas besoin de juger, et c'est ça qu'on nous disait, hein, on n'a pas besoin de juger des gens pour des crimes de guerre et chercher trop compliqué. On peut simplement aller avec une AMT et aller très très loin dans les réquisitions. Voilà, alors la politique pénale dit, à partir, les gens qui ont fait les départs après les attentats, eh ben voilà, ils seront maintenant devant les assises et d'une manière systématique, le procureur va demander 20 ans. Et c'est un changement qui est énorme parce qu'avant, c'était les mêmes personnes, mais ils étaient là pour 8, 9 et 10 ans. Voilà. Alors ça, c'était vraiment le grand changement. Alors, Excuse-moi, Sharon, je t'interromps juste. Donc, ce changement, le point de bascule, c'est donc après les attentats de Charlie. C'est pas j'avais cru comprendre que c'était la date de création du califat de l'État islamique, mais peut-être que Non, je me suis. non, 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 pour le changement de politique pénale, ben non, parce que c'est-à-dire on aura encore à la cour, à la 16e, on aura encore des gens qui étaient là après la création du califat. Hein. Mais c'est-à-dire qu'en France, quand on va décider où les. Bon, après. Alors, je vais y revenir parce qu'en fait, en tout cas, la déclaration qui arrive en avril 2016, elle est celle-ci que je viens de dire. C'est-à-dire que le procureur nous dit, ceux-là qui sont partis après les attentats de Charlie Hebdo, voilà, eux, ils iront en assise. Mais effectivement, ce qu'on a vu, c'est que finalement, alors on a vu deux choses. Une, que ce n'était pas systématique. Alors, ce n'était pas évident de comprendre lesquels vont aller à l'assise. Et finalement, il y en a qui vont rester au correctionnel. Et la deuxième chose, c'est comme ce fameux cas-là que je vais y arriver, c'était le premier cas, celui-là qui a basculé à l'assise. C'est-à-dire qu'il était vraiment en correctionnel, il était presque déjà entendu et finalement, il a basculé à l'assise à cause de la Cour de cassation ou grâce à la Cour de cassation. Et là, il s'agit des peines des faits de 2013. C'est-à-dire, ces gens-là, ils sont partis bien avant Charlie Hebdo. C'est-à-dire, alors, ce qu'on va voir, c'est que la politique pénale déclarée qu'il s'agit de Charlie Hebdo, finalement, elle va être appliquée rétroactivement sur des cas qui étaient déjà en voie d'aller sur le correctionnel. Et certains vont être repêchés pour arriver en assise, tandis que d'autres,
même aujourd'hui, vont rester là et c'est pas toujours clair pourquoi. Voilà, alors ça, c'est la politique pénale. Maintenant, un point important que je voulais mentionner par rapport à ça, parce que ça va revenir tout à l'heure quand on va parler de l'audience. Alors, c'était ce cas-là. Les cas de QED, c'était deux Toulousiens qui sont partis. Et ce procès, il était un peu connu parce que c'était des gens qui étaient filmés avec une tête décapitée. Alors, peut-être... Vous voyez un peu ces images-là. Voilà. Et eux, ils devaient aller au correctionnel, voilà. Bon, pour association de malfaiteurs, c'était un délit. Et le procureur la demande en janvier 2016. Alors, c'était vraiment... c'était en train de faire cette politique pénale. Il demande de criminaliser l'AMT. Et le juge d'instruction, qui a déjà clôturé l'instruction... il dit, ben non, on ne va pas requalifier l'instruction, il y a rien de nouveau, même qu'on a la personne qui tient une tête décapitée, combien que c'est horrible, c'est toutefois, ce n'est pas, ce n'est pas une association de malfaiteurs en tant que crime, mais une association de malfaiteurs. Voilà. Et il y a un appel, le procureur amène ce dossier-là à la chambre d'appel dit pareil, elle va soutenir les juges d'instruction et ça va arriver jusqu'aux cassations. Et là, c'est aux cassations que finalement ça va être tranché et c'était en juillet 2016 et la Cour de cassation donne le feu vert au procureur. Et la Cour de cassation va dire, voilà, maintenant, même on n'a pas besoin de, comme j'ai dit, de participer à l'acte en soi, etc., ça suffit qu'on rejoint un groupe. Qu'on sait que les membres de groupe font ont des buts de crime. Mais vous voyez, alors quand on rejoint un groupe comme l'État islamique, c'est des grands groupes, c'est-à-dire, et peut-être nous finalement, on n'a rien fait de particulier, on a peut-être juste venu, on s'est entraîné, on a eu peur, on est revenu en France, ça arrive, hein, ça, il y a eu des cas comme ça. Mais voilà, on y est et on va aller sur les 20 et 30 ans, etc. Alors, c'est la Cour de cassation qui a décidé ça. Et effectivement, alors, on a vu ces gens-là et c'était un des premiers procès qu'on a vu en 2018. Et je raconte tout ça pour vous dire que finalement, les peines qu'ils ont eues étaient de 12 ans, 13 ans. C'est-à-dire que quand le parquet demandait 20 ans et quand ils faisaient appel, et en appel, ils ont reçu encore moins. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'était quelque chose d'inattendu. Et là, on va un peu discuter à ce qui se passe à la cour d'assises et comprendre la fin de cette politique pénale. Voilà, alors, on arrive à la cour d'assises. Alors, bon, là, c'était un procès, un grand procès. Hein. Là, il y a eu des victimes aussi, pas beaucoup, mais voilà. Il y a eu différentes filières qui se regroupent ensemble. J'aimais bien cette photo-là, je l'ai eue. Et c'était à minuit avant que la décision soit lue. On a attendu jusqu'à minuit pour avoir la lecture de la décision. Et pourquoi cette photo elle est intéressante? Parce qu'il s'agissait d'un procès de 2 mois. Il était très long ce procès. Et c'est ce que j'appelle un peu le slow justice. Alors, dans la cour d'assises, ce qu'on va avoir, c'est vraiment une tension entre le risque zéro, la politique pénale répressive, la législation très dure, etc. Tout le cadre juridique établi que les juges de l'audience, bon, ils y sont, hein, ils suivent cette structure, on va dire. Mais à la cour d'assises, devant les juges, là, il y a la possibilité de humanisation des gens, de l'individualisation, de comprendre. Et c'est ça qui est très intéressant qui se passe dans la cour d'assises. Et ça, c'est grâce à deux choses qu'on a en assises qu'on n'a pas dans la 16e. Hein. Alors, un, c'est le fait de l'oralité des débats, que tout doit être dit, tout doit être, chaque preuve qu'on veut utiliser doit être dite, doit être contredite, etc. C'est très, très long. On a des procès, les courts, ils sont d'une semaine, les longs, ils peuvent être de 2 mois. Et on a l'enquête de personnalité
où on aura les juges, ils vont passer une demi-journée avec chaque personne en train de voilà questionner depuis l'enfance, de comprendre tout le parcours. Et là, pour moi, c'était une découverte. C'était le seul endroit où moi, en tout cas comme individu, j'ai entendu les trajectoires de gens qui se sont dits radicalisés, partis en Syrie, etc. Que c'est, vous savez, il y a eu beaucoup de littérature sur ça, mais finalement, on n'entend pas souvent les gens de parler d'une manière directe. Et il y a leurs parents, il y a leurs voisins, des fois les gens qui sont leur employeur. Voilà, il y a des témoins. Alors, des fois, on a des moments d'audience qui sont très, très forts, pas toujours. Mais comme il y a cet espace de parole, des fois, il y a des paroles très fortes qui surgissent. Et c'est justement ça qu'on a senti dans ce procès-là. Et c'est pour ça que les gens, ils sourient. Après, certains d'eux, ils ont eu 20 ans, 26 ans de prison. C'est pas qu'ils n'étaient pas coupables. Mais ou c'est pas que finalement, la peine, il y a eu des peines très, très hautes aussi dans ce procès-là. Mais ce qui était intéressant, c'est que, par exemple, cette personne-là, à la fin du procès, a dit, dans ses dernières paroles, vous savez, à la fin, c'est la parole de l'accusé, c'est les dernières paroles, il disait, je voulais remercier les juges de m'avoir écouté, c'est la première fois que quelqu'un m'écoute. Et c'est vrai que ces gens-là, ils ont passé 2 mois à écouter eux, à s'auto-écouter. Vous voyez, eux, c'est des accusés qui sont en dehors du box. Et à la fin de ce procès très spécifique, hein, après chaque procès a son histoire, mais personne n'a fait appel. Ce qui est très intéressant, ni le procureur et ni les accusés. C'est-à-dire qu'il y a eu une certaine sensation que la justice était faite, d'une certaine manière. Et les gens, par exemple, qui étaient libres, je pense que aucun des personnes qui étaient dehors du box est allé en détention parce que finalement, c'était leur, mais je ne suis pas sûre, mais c'était déjà leur temps de détention provisoire qui coulait. Voilà, bon, tout ça pour dire, c'était un peu pour rentrer dans l'idée de l'audience qui se passe. Et c'est pour ça que finalement, à l'audience, les résultats, ils ne sont pas exactement les résultats que le parquet et le bureau de procureur voulaient. Mais on voit ici finalement des juges voilà, qui ont une grille de lecture qui n'est pas juste une grille de lecture préventive, sécuritaire, etc. Mais c'est une vraie grille de lecture délictuelle, voilà leur métier de tous les jours. Et finalement, on a vu, bon, peut-être ce procès-là, il y a eu quand même tentative d'attentat sur le sol, etc. Mais dans les revenants, on a vu vraiment des peines quasi correctionnel. Hein. Et même quand il y a eu les appels du parquet, c'est ce que j'ai dit, parce que le parquet systématiquement va faire des appels, il donnait même encore moins en appel. Alors là, c'est vraiment dire qu'il y a une forte résistance des juges du siège, des juges de l'audience par rapport au parquet. Et c'est la même résistance qu'à l'époque il y avait chez les juges d'instruction. Et ça, je trouvais très, très intéressant parce que finalement, oui, bien sûr, on a les juges qui sont liés eux-mêmes par une législation qui est répressive. Mais d'un autre côté, le fait qu'ils sont en rapport avec les accusés, le fait qu'il y a un moment long, le fait que c'est des professionnels du pénal, finalement, ils arrivent à donner une certaine résistance à cette tendance très, très préventive qu'on a pu voir des autres corps judiciaires. Et je pense que, voilà, et là je terminerai, je pense que ça a été, on a peut-être atteint un certain pic au procès Charlie Hebdo de tout ça, parce que, voilà, le procès Charlie Hebdo était au tribunal correctionnel, non parce que c'est un procès correctionnel, mais parce que c'était plus facile pour des raisons de sécurité. Alors, c'était très, comment dire, moi j'ai suivi, pas tous les jours, mais presque tous les jours le procès, et c'est vrai que c'était un procès très particulier, parce que là, on avait beaucoup, beaucoup de victimes,
beaucoup de parties civiles, c'était déchirant, c'était dur de les écouter, c'était vraiment des témoignages. Alors on avait un peu une, on avait un peu deux choses en parallèle. Il y avait d'un côté les témoignages très très forts des parties civiles, et de l'autre côté il y avait un procès pénal finalement qui était pas mal éloigné des faits. Il y a trois étaient en absence en Syrie, peut-être ils sont morts. Beaucoup étaient juste des personnes finalement et qui n'étaient pas directement liées dans le sens qui ne le savaient pas. Et c'est vrai que de la moitié des accusés finalement, et on n'a pas retenu l'inculpation AMT terroriste, et ça quand même c'est énorme. Parce que imaginez-vous l'instruction qui était faite après les attentats horribles, il y avait l'état d'urgence, vous pouvez imaginer des gardes à vue très très dures, des interrogations compliquées, etc. On aboutit à un dossier, après 5 ans, les gens ils sont jugés, et finalement la moitié d'eux, on va dire, ben non, ils sont pas. Oui, ils ont donné des armes, oui, ils ont amené les voitures, etc., mais ils ne font pas partie du projet terroriste. Et voilà, alors ça, c'est une grande force quand même aux juges de l'audience qui peuvent être là et le faire. Alors, juste pour finir, voilà, une phrase, on était en train de se demander, est-ce qu'on parle d'une justice d'exception, une justice d'ordinaire, etc. Et je pense qu'on parle un peu d'une justice. Alors, ces juges-là, hein, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la justice, on parle de l'audience. Ils font un peu une justice qui est à la frontière d'une justice d'exception, une justice spécialisée et ordinaire. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, même qu'il y a tellement encore à dire. Oui, mais il y a tellement de questions à poser. Merci Sharon, c'était vraiment hyper précis et clair ta présentation. Avant de prendre, enfin, vous pouvez déjà envoyer les questions, bien sûr, il y en a quelques-unes, mais avant de prendre celle du public, je vais juste t'en poser quelques-unes en essayant d'être le plus aussi concise que toi et la plus rapide possible. Ça va pas être facile, mais tu montres très bien finalement ce basculement, en tout cas de la législation vers ce qui voudrait être une politique au fond judiciaire plus répressive. Alors j'ai une question toute bête, mais aujourd'hui la majorité des audiences elles se passent j'imagine toujours en correctionnel plutôt qu'aux assises malgré tout. Non, d'accord. Donc la majorité des audiences a basculé, d'accord, aujourd'hui, donc vraiment ça s'est totalement inversé le rapport. D'accord. Oui, exactement, c'est ça qui s'est passé, et aujourd'hui on a juste peut-être les appels du correctionnel qui sont d'accord, et que eux d'ailleurs ils sont aussi au palais de justice. Ah, ils, oui, appellent au correctionnel, mais non, maintenant il y en a beaucoup moins à la 16e. Ouais. D'accord. Et alors en fait, donc cette résistance finalement des magistrats aux assises finalement à aller dans le sens du parquet, tu l'attribues au fait que ce sont des magistrats qui sont généralistes, enfin qui sont pas spécialisés, enfin jusqu'à, en tout cas au moment de ton observation, tu l'attribuais au fait que c'était des magistrats qui n'étaient pas des magistrats spécialisés en affaires de terrorisme. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, et qu'est-ce que ça dit finalement de leur approche, c'est-à-dire est-ce que ça implique aussi, au-delà du fait qu'ils sont anglais sur une approche qui est plus délictuelle, plus individuelle plutôt que sécuritaire, qu'est-ce que ça dit finalement de la vision, du regard qui porte sur la radicalisation? Est-ce que c'est l'indice pour toi, enfin, comme tu as pu faire une étude ethnographique, donc justement parler à tous ces gens et voir leur représentation, est-ce que tu as l'impression qu'ils se dégagent finalement de leur pratique une interprétation sociale, politique, du parcours des accusés qui irait à l'encontre justement de la vision ultra-sécuritaire qui est celle du parquet, par exemple?
Ouais, wow, c'est une question avec plein de questions. Alors, j'essaie d'être claire, mais c'est très difficile. Non, non, c'est très clair. C'est, à chaque mot que tu disais, j'avais des choses à dire. Oui, alors déjà, on va voir le changement. Alors, alors, la question, pourquoi finalement l'assise ne suit pas le demande? Alors, c'est quand même pas seulement parce que c'était des juges plutôt professionnels, mais c'est aussi ce qu'on disait, c'est la durée de l'assise, c'est le fait qu'on arrive à beaucoup plus personnaliser, comprendre, c'est-à-dire en assise, ça sera en correctionnel, ça sera beaucoup plus vite. On n'aura pas des témoins, on n'aura pas une enquête de personnalité si complexe. Alors, on a moins le temps de passer, de comprendre. Des fois, on a même des experts qui vont venir en assise. Voilà, ça avec le fait qu'on avait, c'est vrai, des juges qui n'étaient pas spécialisés, parce que c'est assez connu quand on fait des recherches générales, plus on est spécialisé, plus les peines sont sévères, hein. Parce que voilà, on connaît l'histoire, on connaît la chanson, hop, 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 voilà, c'est toujours quand on est dans des tribunaux qui font un peu le mass litigation, c'est-à-dire que ça devient un contentieux de masse, c'est vrai que les peines ont tendance à être plus élevées. Alors quand on est quelqu'un de frais, on sera plus là à découvrir, à écouter, à être plus sensible. Mais bon, la tendance, on continue à l'avoir encore aujourd'hui, hein, avec des juges qui sont spécialisés. Alors, c'est vrai qu'il y a des procès. Bon, après, ça dépend aussi des juges et des présidents, hein, chacun a aussi son propre caractère personnel. Mais moi, j'explique ça par le fait qu'on est passé de 10 ans à 20 ans. C'est énorme. C'est énorme comme peine. C'est-à-dire, et sans avoir une grille de jurisprudence, comment l'appliquer? Alors, on a presque un problème de principe de légalité ici. Parce que si hier, les mêmes actes, ils étaient jugés pour 10 ans, ben aujourd'hui, on nous demande de leur donner 20 ans. Mais pourquoi? C'est-à-dire, comment moi, comme juge même, je peux expliquer ça? Si on n'a pas eu de victime, on n'a pas eu de... Voilà. Alors, on va aller beaucoup... Alors, une fois qu'on a trouvé le... comment dire? Oui, on est coupable de l'AMT. D'accord, on est coupable de l'AMT. Maintenant, on va discuter la peine. Alors, dans la peine, on va voir la question de la radicalisation, de la dangerosité, tout ça. Mais bon, il faut être vraiment super dangereux pour arriver jusqu'à 20 ans. tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est compliqué. Comment on va décider? Et je pense que c'est ça qui freine finalement les juges à dire pourquoi quelqu'un qui est parti là a fait ci et ça. Alors maintenant, ils sont en train d'établir leur propre grille. C'est-à-dire, bon, on va donner entre 12 et 13 ans pour ceux-là qui ont fait ça. Et finalement, pour avoir les vrais attentats qui arrivent à 20 et 30 ans. C'est ça mon explication, parce que c'est un éventail trop large du coup. Avant, c'était peut-être trop court, mais maintenant, c'est trop large. Et le parquet a surenchéri. Le parquet est allé trop loin avec les demandes de 20 ans. Et voilà. Et du coup, il y a une résistance, et D'accord. on la voit toujours. Oui, alors après, pour l'aspect social. Ça dépend un peu des procès, ça va dépendre des juges et des accusés. Alors, il y aura des procès qu'on sera très, très à l'écoute. Je me souviens un procès de procès Warani, c'était un garçon qui est parti. Alors, lui, il disait, je ne savais pas, est-ce que je veux partir avec ma copine me marier à Barcelone ou est-ce que je pars en Syrie? Il est parti tout seul là-bas. Là-bas, on l'a soupçonné d'être un... Comme il arrivait tout seul, on l'a soupçonné aussi d'être un agent secret de la France. Bon, bref, c'était compliqué. Et alors lui, c'était vraiment... Là, c'était intéressant. Les juges, ils se sont beaucoup intéressés à tout son milieu, à la radicalisation, etc. Mais après, c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de raccourcis. Hein. C'est pas que chaque fois, on rentre... Voilà. Il y a aussi, maintenant, c'est devenu des schémas. C'est-à-dire, voilà, on s'est marié comme ça, on est allé dans cette mosquée-là, on s'est radicalisé. On va voir des choses qui sont un peu, voilà, très catégorisées comme ça. Répétitif. Il y a un aspect que on n'a pas eu le temps du tout d'aborder, mais peut-être que tu peux en dire quelque chose. Une des évolutions de la politique pénale aussi, il me semble, c'est celle de la judiciarisation systématique des femmes, enfin en tout cas des accusées femmes qui étaient au départ extrêmement épargnées par la procédure et que petit à petit, on s'est mis à criminaliser systématiquement, il me semble. Enfin, est-ce que c'est le cas? Et enfin, qu'est-ce que ça implique justement donc pour les femmes concernées d'avoir même, par exemple, eu des enfants sur place? Est-ce que c'est considéré en soi comme un crime?
Ben oui, après, c'est vrai que finalement, ça sera la même chose, hein. C'est si on a rejoint le groupe, ben on a une AMT. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on pense encore aux familles, aux enfants qui sont encore là et que la France ne veut pas les ramener en France. Et ce qui est dommage, parce que si on regarde aussi la politique pénale, on voit bien que la France n'aura aucun problème de les juger s'ils ont envie. Alors oui, les femmes sont incluses dans cette politique pénale. Maintenant, ce qui est étrange, et j'ai vu qu'il y a une question comme ça, c'est que dans d'autres pays, alors la politique pénale, elle est complètement différente. Et pour le seul fait de partir, on ne sera pas du tout jugé et inculpé d'aucun crime. Alors, on peut avoir des couples, par exemple, un Belge, un Français, ou je ne sais pas, des couples d'un Hollandais, et finalement, ici, ils vont être poursuivis, mais dans un autre pays, ils ne vont pas l'être. Alors, c'est aussi quelque chose qui peut être un peu bizarre. Deux dernières petites questions et après je passe la parole au public. Justement, tu parlais de l'observation de ces procès en France, elle est très limitée. On a très peu d'observations judiciaires de ces procès. Au fond, le gros du travail, il est fait par quelques journalistes spécialisés qui sont très peu nombreux, en radio notamment, et quelques chercheurs spécialisés. Mais on n'a pas beaucoup d'observations de la part des ONG notamment. Est-ce que tu confirmes, en tout cas c'est la perception que j'en ai, est-ce que tu confirmes ce phénomène et est-ce qu'il est différent ailleurs? Comment tu peux expliquer ça? Oui, merci Claire. Ben, c'est une très bonne question. Et tu sais, tu peux pas imaginer les peines qu'on a dû surmonter nous au début. Tu vois, bon, après, une fois qu'on nous connaît, tout ça, c'est bon. Mais au départ, juste pour connaître, par exemple, les dates de l'audience. Imagine-toi, les dates de l'audience, c'est rien de spécial. Mais combien de copains il fallait avoir au sein du tribunal pour savoir quel jour il y aura une audience. Ça, je te parle au correctionnel. Après, heureusement, aux assises, alors c'est affiché. Alors maintenant, on le sait, il y a une affiche orange et on peut aller regarder. Mais quand on était, parce qu'on a aussi observé, on a aussi suivi les dossiers au correctionnel, on est incapable. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas des observations. On ne peut pas avoir les dates. C'est vraiment secret. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas communiqué. Après, pareil, les décisions. Impossible d'avoir les décisions. Alors, il faut vraiment avoir un copain avocat. Et pourtant, c'est quand même des décisions rendues publiques. Nous, on ne voulait jamais regarder des choses secrètes. Hein. Nous, on est des chercheurs, comment dire, des chercheurs de voix. Des chercheurs avec une documentation accessible. On n'est jamais allé dans les dossiers d'instruction, tout ce qui est, comment dire, confidentiel dans le procès, on ne voulait pas et on n'avait pas accès à ça. Mais je parle quand on rend une décision qui est publique, comment c'est possible qu'elle ne soit pas accessible? Et elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas accessible ni au public et ni aux chercheurs spécialisés qui font une recherche pour le ministère de la Justice. Alors, c'est vraiment, ça, c'est fou. Et quand on va dans n'importe quel autre pays, alors je peux même donner l'exemple de Guantanamo, ce qui est extrême, mais même toutes les décisions de Guantanamo, elles sont sur Internet, on peut les downloader, on peut les lire. Alors, et je ne pense pas qu'il y a un endroit qui est plus sécurisé que les procès de Guantanamo. Rien à comparer. Mais ici, je ne sais pas, c'est une tradition comme ça, qu'il faut être dans la salle d'audience. C'est pour ça aussi les débats de est-ce qu'on va filmer le procès Charlie Hebdo ou non. C'est-à-dire, on a un peu l'habitude d'une justice qui est, voilà, elle est là et les juges peut-être n'aiment pas être trop critiqués, je ne sais pas. Mais il n'y a vraiment pas accès ni aux décisions, ni aux Et au dates, compte etc. rendu. Mais en vrai, ce n'est pas vrai que les juges n'aiment pas. Ils aiment beaucoup la recherche. Hein. Tous les juges qu'on voulait discuter avec eux, ils étaient très ouverts, vraiment très ouverts à la recherche. On a fait un lancement du rapport aux séries. Il y a eu beaucoup de juges qui sont venus aussi en discuter. Alors, c'est-à-dire, ils aiment la recherche. Hein, mais il y avait comme ça un bloc. Et c'était vraiment très compliqué d'avoir accès à ça. Et nous, une de nos recommandations était qu'il faut avoir des transcriptions. Parce qu'en vrai, si on n'est pas présent dans l'audience, on ne sait rien de ce qui se passe. Il n'y a aucune preuve après. Dans les pays anglo-saxons, on a tous les transcriptions qui sont faites. Et bon, et il y a les journalistes. Mais bon, après, les journalistes, eux aussi, ils font leur travail. Ils ne sont pas là toujours. Et évidemment, c'est une autre sorte de travail qu'ils font aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur les tweets d'un journaliste pour avoir les transcriptions. C'est une folie, quoi. Et justement, enfin, vos observations, finalement, qu'est-ce qu'elles disent de la connaissance que les juges ont
de la situation géopolitique en Syrie, en Irak, parce que c'est d'une complexité phénoménale. Donc, même les spécialistes de la région ont du mal parfois à rendre compte de manière simple de ce qui s'y passe. Donc, toi, comment est-ce que tu perçois justement la propension des juges à comprendre de manière vraiment juste, informée, finalement, le contexte des actions qui ont été menées par les accusés, leur velléité, etc. Est-ce que on est face à des gens qui découvrent quelque chose avec les moyens du bord, qui s'informent, de quels moyens ils disposent pour s'informer? Est-ce que leur source, c'est essentiellement des rapports des renseignements généraux? Ou est-ce qu'ils ont accès à d'autres choses? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, merci, c'est une question très intéressante. Alors, la plupart des... Alors, quand on est à l'audience, on va dire, en vrai, on ne va pas trop s'intéresser à toutes ces questions parce que c'est là-bas, hein. Nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est... Alors, pour la peine, c'est la dangerosité qui sont maintenant ici sur le sol. Et bon, à quel groupe ils ont appartenu, etc. Alors, en fait, la connaissance va venir au stade de l'instruction. Ça sera le juge d'instruction, et je pense qu'eux, ils sont très compétents, parce qu'eux, c'est vraiment ce qu'ils font depuis des années, vraiment, hein. Alors, eux, c'est sûr qu'ils sont très compétents, et c'est eux, dans le dossier, dans l'acte d'accusation, qui vont établir ce contexte-là factuel. Et c'est très intéressant parce que si tu regardes l'acte de renvoi ou l'acte d'accusation, alors il y aura toujours un peu les paragraphes qui sont un peu copy-paste, tu vois. C'est-à-dire, voilà, il y a eu ces groupes-là, après il y a eu la proclamation de l'État islamique, tu vois, il y a certaines dates qui vont revenir. C'est un peu, voilà, il y a un peu ce narratif établi. Et finalement, nous, ce qu'il faudra trouver, c'est cette personne qui est devant nous. Il a vraiment bien rejoint Jabhat al-Nusra, il a rejoint tel et tel groupe, et c'est tout. On ne va pas revenir dans les détails, finalement, parce qu'on n'en a pas besoin. La seule chose qui était vraiment détaillée, c'était Harar el-Shams. Mais c'est la seule décision d'audience que j'ai vue si détaillée. Sinon, ça sera vraiment plutôt factuel, descriptif, et c'est à partir de l'instruction qui est déjà bien faite. Mais par exemple, à Charlie Hebdo, ce qu'on a vu, alors oui, là-bas, il y avait les services de renseignement qui ont eux-mêmes établi voilà, leur histoire, aussi Amera, hein, on a toujours ça. Et c'est vrai que ça manque un peu, en tout cas dans l'audience. Pas nécessairement mais pour comprendre le contexte, ça aurait été bien. C'est ce qu'on avait préconisé, c'est d'amener plus des experts de contexte qui peuvent venir à l'audience et expliquer au juge. Parce que je pense que ce sera très important, ça. Et justement, pas rester avec la version de service de renseignement ou la version de l'instruction. Parce que Et justement, pour ce qui... l'instant, ces experts-là, ils ne sont pas du tout présents, dans les Non, audiences. non. Moi, je les ai vus une seule fois. On a vu Farhad Khosnokhavar qui est venu dans l'affaire Merah, mais il est venu pour parler des prisons, hein. Il n'est pas venu pour parler du contexte. Ouais. Mais après, évidemment, ce sera la question, est-ce qu'on va amener Gilles Kepel, on va amener Olivier Leroy? Alors bon, après, on aura toujours d'autres questions à débattre. Mais c'est vrai que, bon, aujourd'hui, ce contexte-là, il n'est pas vraiment fait par des experts. Ça reste au niveau de l'instruction. Mais encore une fois, c'est peut-être on n'en a pas si besoin que ça non plus. C'est plutôt ce qu'on aurait besoin ici, c'est de comprendre sur la radicalisation, c'est-à-dire pourquoi les gens ils y vont, etc. Et ça aussi, on n'en a pas. Allez, dernière question pour moi et après je promets que j'arrête d'être égoïste. Enfin, dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que cette cour d'assises spécialement constituée, qui est quand même une juridiction d'exception, elle est l'héritière de la justice, la cour de sûreté de l'État qui avait été mise en place pendant la guerre d'Algérie, dans le cadre voilà, de ce qui s'appelait aussi la lutte antiterroriste? Et de ce point de vue-là, voilà, quel est l'héritage juridique ou judiciaire dont on hérite aujourd'hui à cet égard, en fait?
Oui, bon là, il y a le livre de Vanessa qu'il faut lire sur la justice d'exception, mais bon, moi, j'irai pas dire ça, que c'est une continuité, hein, parce que ces juridictions-là, elles étaient quand même des juridictions militaires, hein, il me semble bien, le cas de... Bon, après... comment dire, la cour d'assises spécialement composée, elle juge le terrorisme et aussi le crime organisé, hein. Alors voilà, ça c'est déjà là. Non, moi je pense pas que c'est trop comparable. Après, il s'agit, bon, après peut-être il y aura des comparaisons à faire, mais c'est vrai que dans cette juridiction-là, on a quand même, comment dire, tout un corps de législation terroriste qui est spécifique, hein, pour le terrorisme. Et ça, on va voir dans d'autres pays aussi. Mais après, la juridiction, elle est quand même juridiction civile. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, elle est ouverte au public. Là, c'était quand même une juridiction militaire à huis clos. Voilà, ça ne ressemble pas trop dans ce sens-là, hein. Je comprends. Alors, on va commencer avec les questions des spectateurs. Alors, comment les procès se passent-ils dans d'autres pays européens? Est-ce qu'il y a des juges plus spécialisés pour traiter de ce type de sujet ou de ce type de dossier? Tu veux que je réponde une par une? Oui, je vais te les Oui, poser d'accord. une par une. Alors, oui, alors, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Ben, alors, c'est pays européen la question ou en général? Bon, d'accord. Alors, ben, déjà, d'une manière générale, pas seulement en Europe, mais on pense plus largement, parce que finalement, on aura ces dossiers-là partout, hein. On a des dossiers de terrorisme, pas seulement en Europe ou pas en Europe, ou même pas seulement la Syrie, ça va commencer de 2001, il y a des endroits où même avant, c'est-à-dire aujourd'hui aussi, on a eu le Conseil de sécurité qui demande à tous les pays de faire des législations répressives pénales de terrorisme. Ça, on a eu deux, trois décisions du Conseil de sécurité comme ça, une en 2001, une en 2014, en 2017, c'est-à-dire ça vient d'en haut et on ordonne aux pays de faire des législations pénales, de faire de la répression. Alors maintenant, on a dans les pays, dans le monde entier, on a des législations pénales terroristes. Et évidemment que le mot terroriste va inclure dans différents pays, différentes formes, que ça peut être aussi répression politique. C'est ça aujourd'hui la problématique qu'on a. Et alors d'une manière générale, alors il y a le problème de la définition. C'est quoi le terrorisme? Alors en France, on a l'association de malfaiteurs, on a mis tout dedans. Mais dans d'autres pays d'Europe, ça ne sera pas comme ça. Quelqu'un qui est parti en Syrie revient, il ne sera pas nécessairement jugé s'il n'a pas commis des crimes. S'il n'a pas tué quelqu'un, s'il n'a pas fait quelque chose. Il y aura d'autres pays que oui, s'il a rejoint un groupe militaire, ça c'est le crime. Rejoindre un groupe militaire sera le crime. Bon, ça dépend des pays. Je ne connais pas tous les pays non plus. Effectivement, j'ai dit à Claire, il faudra faire une fois une table ronde comparative, ça sera très intéressant. Maintenant, sur la spécialisation des juges, quand c'est un tribunal pénal, on n'a pas vraiment besoin de juges spécialisés, mais il y a des endroits où ça sera des cours militaires. Encore une fois, par exemple, si on pense aux États-Unis, alors aux États-Unis, on a tous les procès dans les cours pénales normales pour les Américains, mais on a eu des procès à Guantanamo, que là, c'est des procès militaires. Si on pense aux tribunaux en Palestine et en Israël, alors en Palestine, on a des tribunaux militaires qui vont juger. Alors ça, c'est aussi intéressant de voir que des fois, c'est non seulement spécialisé, mais c'est carrément militaire. Voilà, mais après, est-ce que le juge pénal, il est plus ou moins spécialisé? Après, moi, je suis quand même, personnellement, il faut faire confiance au juge pénal. Et finalement, le crime de terrorisme, c'est comme tout autre crime et il sera en mesure de le juger. Alors, il y a une question qui est liée à celle-ci. Pensez-vous qu'il faudrait une juridiction européenne pour ce type de dossier? Et j'en profite pour rebondir aussi sur la question d'un éventuel tribunal pénal international pour juger les crimes de l'État islamique. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça c'est vrai, oui. Ça aurait été intéressant, mais ça aurait été pas. Alors, je ne pense pas que ça doit être une juridiction européenne, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'Europe aussi. Ça aurait dû être une juridiction qui aurait pu être située, par exemple, en Irak, ou quelque part, à peu près, dans la zone territoriale, pour dire cette juridiction spéciale va maintenant juger tous les crimes qui ont été commis sur ce territoire-là pendant cette période.
Et justement, comme ça, on n'aura pas besoin que chaque système national va traiter les gens d'une manière différente. Moi, je pense que ça aurait été une bonne chose, faire un tribunal ad hoc, ce qu'on appelle, et surtout pour juger des crimes de guerre. C'est-à-dire parce que c'est ça qui est important pour les victimes. Parce qu'aujourd'hui, nous, on juge des Français parce qu'ils sont partis en Syrie et parce qu'on a peur qu'ils font des crimes ici. Mais on n'a jamais vraiment regardé ce qu'ils ont fait là-bas. Alors, il faut rendre justice aux victimes de ces crimes. Rendre justice aux victimes parce qu'il y a eu des choses horribles qui étaient commises là-bas. Et c'est pour ça qu'il faudrait faire une juridiction ad hoc, pour ces victimes-là. Alors, on voit bien, effectivement, dans ce que tu as expliqué, que la question de la qualification et le choix d'aller vers des qualifications terroristes plus que crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité, qui est le choix qui est fait en France, il est fait pour des raisons d'efficacité, de rapidité de la justice. C'est-à-dire qu'on veut rapidement que les gens soient mises au trou, en gros, et pour pouvoir les empêcher de nuire, etc. Mais ça, effectivement, donc, non seulement ça nuit à l'élucidation des faits, mais en plus, est-ce que tu y verrais finalement un choix politique? Puisque si on va vers des qualifications qui sont ceux de crimes de guerre, ça pose la question du conflit en cours, potentiellement celui du rôle de la coalition, etc. Moi, j'ai d'ailleurs assisté à des audiences où la question du rôle de la France était posée, et ce n'était pas du tout relevé par les juges, mais en tout cas, c'était posé par les accusés. Et on sent que là, il y a une grosse réticence du côté français à aller vers des qualifications comme ça, en tout cas des procédures qui poseraient les enjeux sous cette forme, parce que on serait dans des termes très différents de ceux qui sont les termes sécuritaires actuels. Oui, absolument. Et je pense que déjà, c'est pour ça qu'on n'a pas un tribunal ad hoc en Irak, on va dire, parce que je pense que par rapport à la Russie ou d'autres pays, alors c'est vrai que si on va faire une juridiction territoriale, alors tout, c'est-à-dire quand on fait la guerre, tout le monde fait des crimes, hein, il y a des deux côtés, c'est assez rare qu'il y a seulement des crimes, qu'il y a vraiment, voilà, je ne sais pas, il y a alors c'est vrai que si on va créer une juridiction ad hoc, par définition, elle ne pourra pas juger seulement des djihadistes, hein, mais elle va juger des crimes. Alors je pense que surtout par rapport, alors c'est sûr que la Russie, par exemple, elle met veto sur des décisions comme ça si ça doit passer par le Conseil de sécurité. Après, il y aura d'autres manières de le faire, mais peut-être que les Français auront eux aussi leur propre, je ne sais pas ça. Peut-être ils vont avoir peur d'être eux-mêmes. Bon, je ne sais pas. Après, mais pour moi, c'est vraiment la question d'efficacité, hein, parce que ils ont dit. Imaginez, alors, tu sais, les instructions de crimes de guerre, ça prend des années. Il faut aller sur place, il faut les témoins des victimes. C'est des dossiers énormes, complexes, coûteux. Voilà, on n'en a pas besoin. Tout le monde m'en dit ça. Alors, maintenant, ils ont fait le PNAT. Et là, ils ont regroupé ça. C'était une nouveauté aussi. Parquet national antiterroriste. Oui, qu'ils ont regroupé l'instruction terroriste et l'instruction crime de guerre. Parce qu'avant, c'était... Durant notre recherche, c'était deux instructions différentes. C'est derrière le parquet, et là, on va aller au terrorisme et pas au crime de guerre. Et alors, on a ces juges d'instruction-là. Maintenant, ils sont regroupés. Alors, justement, il y avait l'espoir qu'il y aura certains dossiers qui seront ensemble. Et peut-être, ça va être le cas, je ne sais pas. Ils sont peut-être en instruction maintenant. Ouais. Sachant que la question de l'efficacité, de la rapidité de cette justice antiterroriste, en tout cas de son utilisation à des fins d'efficacité, elle est problématique aussi, puisque je crois que bientôt, il y a les premières personnes qui ont été condamnées, toute la première vague de ceux qui ont été condamnés en correctionnel, etc., qui va sortir bientôt de prison, il me semble, non ? Bah, c'est bien si les gens ils sortent de prison. Oui, bien sûr, sans que finalement, il y ait vraiment quelque chose qui se soit joué, justement, qui soit autre chose que cette justice-là, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui, oui. Non, après ta question là, par rapport, ça c'est le travail qui est fait en prison. Alors ça c'est une autre question justement. Quel est le travail qui est fait avec des détenus en prison pour les réinsérer dans la société? Bon, ça c'est encore une autre question, mais c'est évident que les gens qui ont commis des crimes de guerre ou les gens juste qui sont
Après, je ne veux pas minimiser, hein, parce qu'il y a des gens qui ont fait des actes graves, mais il y a eu aussi des gens qui ont passé une période un peu compliquée dans leur vie, se sont radicalisés et que finalement, ils pourront s'en sortir et mener une vie normale, parce qu'on a vu ça aussi dans d'autres pays européens. Mais, et ça, évidemment, c'est un travail en prison qui est très différent qu'avec des gens qui ont commis des crimes de guerre, qui ont torturé, qui ont violé. Ce n'est pas le même travail qu'on fait en prison, par exemple. Oui, alors c'est encore une autre justification pourquoi il faudrait faire des... Et moi, je suis toujours dans l'idée qu'il faut appeler les crimes par leur nom. C'est-à-dire, voilà, si on a fait ça, il faut l'appeler comme ça. Si on a fait des crimes de guerre, il faut l'appeler des crimes de guerre. Et si on n'a rien fait, eh ben, on n'a rien fait. Alors, on continue. Faut-il une reconnaissance de l'ONU pour qu'un groupe soit reconnu comme terroriste ou cette définition peut-elle être apportée au cours du procès? Ah oui, très, très bien. Question très, très intéressante. C'est exactement ce qu'il y avait dans le groupe Harare el-Shams. Alors, vous savez, quand il y a la liste terroriste des Nations Unies, alors évidemment, c'est une liste établie, et ça, c'est établi par les États, on est d'accord, hein, c'est les États, c'est l'exécutif, on va dire, qui c'est des décisions politiques des nations d'établir des listes comme ça. Et bon, après, il y a telle et telle conséquence. Et justement, dans le groupe Harare el-Shams, alors, regardez, c'est le procureur, c'est-à-dire c'est l'État, c'est le ministère public, demande au juge de reconnaître Harare el-Shams comme groupe terroriste quand l'ONU ne l'a pas listé et quand la France a voté contre, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont mis le veto pour les reconnaître comme groupe terroriste. Alors, on était dans un triangle très intéressant. Il y a eu le ministère public qui veut la reconnaissance, le juge et qui doit décider entre l'État et l'ONU qui disent que ce n'est pas le ministère public qui demande de reconnaître. Alors, c'était vraiment intéressant. Alors, normalement, les juges ne sont pas liés, ils peuvent décider ce qu'ils veulent, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre de dire qu'un groupe est terroriste quand on a les Nations Unies qui ne l'ont pas listé et la France qui ne l'a pas listé. Voilà. C'est extraordinaire. Ouais, les chercheurs qui travaillent sur ces sujets, sur le parcours de radicalisation, sont-ils sollicités sur la mise en place des actions de prévention, notamment à l'éducation nationale ou auprès des travailleurs sociaux travaillant avec les jeunes? Bon, ça, c'est une bonne question. Bon, alors là, je ne sais pas. On va dire, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans le milieu d'éducation. Ça, il faut, moi, vraiment, j'étudie ce milieu-là. Après, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des sociologues qui travaillaient aussi en prison. Alors, je sais qu'eux-mêmes, ils ont mis un peu de travail sur ces questions-là dans les prisons. Mais dans les milieux d'éducation, malheureusement, je connais pas, je ne sais pas. Alors, sur cette forme de secret de la procédure, il n'y a pas vraiment de secret, enfin, je sais, bon, je te laisse répondre. Oui, oui. Sur cette forme de secret de la procédure, la justice craint-elle d'être justement interrogée par l'opinion sur le respect du droit? Oui, alors, le secret, c'est une question très intéressante, parce que le secret, et ça, c'est un paradoxe qu'on va avoir dans des procès terroristes. C'est d'un côté, on a des informations secrètes qui viennent de renseignements, c'est toujours le cas en France et ailleurs. On a les services de renseignement, par définition, c'est le secret. Et le procès, par définition, c'est la transparence, c'est l'accès, c'est la parole, c'est le public. Alors, on a cette problématique-là dans les procès terroristes en général. Maintenant, par exemple, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Israël, on aura des procédures qu'on pourra avoir des secret evidence, c'est-à-dire on pourra avoir des évidences secrètes et que dans la procédure, par exemple, que les juges vont avoir accès, pas les avocats. Voilà, il y a eu des choses comme ça. Après, ils étaient annulés, des fois remis, etc. Alors, en France, on n'a pas ça. C'est-à-dire, ce qui arrive à l'audience n'est pas secret. Ce qui arrive à l'audience est soumis à l'oralité des débats et tout est public. Alors, des fois, il n'est pas accessible, et c'est ça que je disais, qu'on a du mal à avoir accès, mais ce n'est pas secret. Il y a une différence entre accessible et secret. Alors, en France,
Et dans le procès Mera, c'était quand même extraordinaire. On a eu les chefs de renseignement de Toulouse et les chefs de renseignement central de Paris, que chacun était là à donner sa version, que la première fois qu'on on pouvait entendre ça, et c'était à la salle d'audience. Et ça, dans aucun autre pays, j'ai vu ça. Hein. C'est-à-dire, il y a quand même un degré de non-secret qui est assez haut. Mais évidemment qu'il y aura des secrets, mais ils ne seront pas au stade de l'audience, ils seront à la stade de l'instruction. C'est-à-dire que le juge d'instruction, des fois, lui, aura des informations secrètes. Ils vont l'aider à faire son instruction ici ou là, mais s'il va décider de renvoyer, d'avoir un acte de renvoi, il faudra qu'il y ait des preuves qui ne sont pas secrètes. Voilà. Ouais, merci. Alors, et j'ai gardé cette question pour la fin parce qu'elle est plus, disons, sociologique que juridique, mais elle est intéressante quand même, et puis elle renvoie aussi à ta perception des trajectoires. Comment pouvons-nous expliquer que des jeunes comme Mera et Abdeslam, qui sont sans beaucoup d'instruction, pour ne pas dire sans instruction, puissent devenir de fervents combattants de l'État islamique et adhérer à une idéologie qui les dépasse? Peut-être juste au moins que tu nous racontes de ta perception, en tout cas, de ce qui s'est joué au cours des procès, en tout cas, en termes d'explications relatives de ces trajectoires-là. Oui, d'accord, non, d'accord. Alors, bon, évidemment, les gens qu'on a mentionnés, les gens qui sont mentionnés là, moi, je les ai, bon, le Mera est mort et voilà, on n'a pas vu nécessairement ces grandes, voilà. Justement, dans ces procès-là, on ne voit pas nécessairement les grandes stars, hein, on voit des petits, les petits de la radicalisation, hein, c'est ceux-là qui sont partis, c'est là qui ont vraiment fait des crimes. Après, on a un peu de tout hein, quand même dans les profils. Ce n'est pas tous des gens pas instruits et bêtes, etc. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, la plupart d'eux, c'est vrai qu'il y a pas mal quand même de profils qui ne sont pas politiques. On va dire que c'est des gens qui n'avaient aucun engagement politique jusqu'à la veille de leur, ce qu'on appelle leur radicalisation, ou peu importe, on peut l'appeler ce processus différemment. Mais ce n'étaient pas des grands acteurs politiques. Hein. C'était plutôt des gens voilà, qu'à un moment ou à un autre, ils voulaient peut-être avoir un sens plus fort dans leur existence et ils ont trouvé ce chemin-là de trouver une appartenance. Et après, c'est une appartenance à une idéologie qui peut renforcer une certaine existence. Et après, tu commences à avoir ce brainstorming et se radicaliser jusqu'à peut-être partir. Mais bon, après, il y a différents types de profils et il y a des gens qui travaillent vraiment longtemps sur ces questions-là. Comment on arrive à se radicaliser, c'est ça, et pourquoi d'ailleurs les mêmes, des gens avec des conditions similaires ne vont pas se radicaliser. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui se radicalisent, ceux-là qui ne se radicalisent pas. Il y a même des profils hyper qualifiés d'ailleurs, enfin des gens très éduqués. Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'on a vu de tout. Par exemple, dans la photo là qu'on les a vus, là, il y avait, par exemple, dans ce groupe-là, il y avait quelqu'un juif du 16e arrondissement parisien. Vous imaginez? Il y a eu son père qui venait au procès. Il a une sœur en Israël, tout ça. Et ce mec-là, il était dans ce groupe. Alors, c'est-à-dire, on a vraiment tout vu. Hein. On a vu, il y avait, dans ce groupe-là, il y avait des gens d'origine asiatique, des gens d'origine africaine, des gens de milieu modeste, moins modeste. Franchement, voilà, c'était plutôt lié à des bandes de copains. Il y avait une certaine bande d'amitié, de délinquance ordinaire qui s'est après allée à un autre endroit. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai que chacun a son histoire. Après, il y a des travaux de sociologues qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. Hein. Oh, merci beaucoup, Sharon. C'était vraiment passionnant et limpide. J'invite tout le monde à aller voir tes rapports et ce que tu as fait. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve en ligne. Et peut-être que tu peux nous dire sur quoi tu travailles désormais, ou en tout cas, quels sont tes projets là. Oui. Alors bon, là, on a alors travaillé sur le procès de Charlie Hebdo. Alors là, c'est parce que un procès un peu à part. Alors on va aussi travailler sur ça. Alors maintenant, moi, j'avais aussi travaillé parce que je travaille sur le procès terroriste. Bon, en général, je travaille sur les procès. Alors j'ai fait un livre sur le procès d'Hissène Habré, que c'était le président du Tchad qui était jugé pour crimes contre l'humanité et torture au Sénégal. Par une juridiction ad hoc, on va dire. C'était un procès très intéressant.
Et maintenant, je m'intéresse un peu de voir les procès des FARC en Colombie, qui sont aussi, on a créé une juridiction ad hoc. Mais bon, avec le Covid, mes voyages sont devenus un peu compliqués. Alors, j'espère, voilà, j'espère de continuer ce projet-là, mais ça sera vraiment à long terme. Et voilà. Et sinon, il y a aussi les tribunaux d'asile qui sont très intéressants. Voilà. Mais je vous invite tous à aller dans les tribunaux. C'est très, très intéressant. Plus que lire mes écrits, allez voir les procès. Merci, merci beaucoup. Merci à toi et j'espère qu'on aura l'occasion De se voir en en vrai. présentiel de se voir et d'organiser quelque chose, une journée d'études comparative notamment sur des thématiques qui sont proches. On vous en dira plus dès Oui, qu'on aura un peu de visibilité. Merci beaucoup. Alors oui, la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous donc le 13 avril pour un webinaire avec Julien Théron sur 10 ans de qui reviendra sur 10 ans de stratégie russe en Syrie. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Sharon. Bon travail. Merci absolument. pour tes explications. Au revoir. Merci, au revoir.